Une grande arène tachée de sang. Un géant vaincu. Une dette payée au prix fort. Mais la faveur d'un roi n'est pas si facilement gagnée. Il doit avoir ses sujets morts. Et justement, ces sujets, on est enfin allé les trouver dans l'épisode précédent. Bonjour à toutes et à tous, merci de me suivre sur cet épisode 19 de Darksiders 2. On va poursuivre le périple de Death sans plus attendre. Alors je précise, je ne ferai plus de commentaries après le let's play, enfin après le gameplay. Parce que clairement c'est casse-gueule, surtout à mon niveau, on va dire que c'est pas évident de commenter après avoir joué. Donc là, je reprends le, on va dire, la façon de faire habituelle, c'est-à-dire que je commente en live. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote technique. On va attribuer le point de compétence qu'on avait gagné la dernière fois. Hop, voilà. La dernière fois, en parlant de l'épisode 18, on avait donc libéré Phariseur, Judicator et Basileus. Basileus qu'on a affronté dans un combat de boss assez épique. Je vous invite à regarder l'épisode 18, la fin de l'épisode 18. Je crois que c'est dans les 10 dernières minutes. C'était assez cool comme combat. Du coup, on l'a vaincu ainsi que Akidna, parce qu'il était carrément sur le dos d'Akidna, donc on a fait d'une pierre deux coups. Là, ce que je vais faire tout de suite, c'est qu'on va se diriger là-bas. Je sais plus c'est quoi le nom exactement. Voilà, le trône éternel, parce que c'est la suite de notre quête. Du coup, on avait effectivement récupérer Phariseur, Judicator et Basileus, c'est les trois seigneurs du... Attendez, comment on fait? Carré, voilà. Les trois seigneurs, pardon, du roi de la mort. Maintenant, on va aller voir le roi de la mort, et normalement, si tout se passe bien, on aura accès au puits des âmes. Alors, c'est parti. Parce que s'il nous propose une énigme avant, je vais péter un câble. C'est pas la peine. On va juste parler vite fait, je crois que c'est Raven qui s'appelle. Le cavalier pâle, en Raven. Clivage, alors il n'y a rien de spécial en plus. On a quand même 236 000 pièces d'or, c'est pas rien. Il y a peut-être moyen de... Enfin, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même la faux. Mais là, éventuellement, les gros coups du style entraînement au marteau, ça m'intéresse pas mal. Qu'est-ce que ça fait exactement? Améliore les coups chargés des marteaux. Oh bah oui. J'avoue que je suis surpris. Allons-y. Ah oui, alors on avait gagné deux armes spéciales dans l'épisode précédent. On va tâcher de les utiliser dans ce... Enfin, de les essayer du moins dans cet épisode-ci. Voir si ça nous plaît. Améliore les coups chargés des haches en introduisant un timing de frappe spécial. Pourquoi pas. En gros, je suis pas hermétique à toutes les armes, sauf aux gantelets. Parce que clairement, les gantelets, c'est pas ma tasse de thé. Améliore les coups de masse introduisant un timing de frappe idéal, d'accord. Au lance, pourquoi pas. Pas mal. Vous auriez eu votre place dans mon bon, armée. Je pense que c'est pas mal, on va s'arrêter là, de toute façon, si... on va dire que c'est pas vraiment mes armes de prédilection. Est-ce qu'on avait gagné quelque chose de plus intéressant? On est niveau 15. Maintenant qu'on est niveau 15, on va pouvoir essayer les serres de Baytir. C'est parti. Ouh là là, elles sont plutôt sympas en plus, hein. En mode magma comme ça. Rappelez-vous, c'était le monstre ailé qu'on a vaincu dans l'épisode 13. Ça fait partie des fameux boss annexes. Donc voilà. Oh bah celle-là elle est encore plus puissante. Et plutôt stylée aussi. Croc du chaos. J'ai bien envie d'essayer les serres de Baytir, pardon, quand même. Sont pas vilaines celles-là, mais clairement c'est pas ma tasse de thé. Bon, on va pas tout... Waouh, il y a vraiment des styles sympas. On va quand même essayer les serres de Baytir parce que j'avais envie de tenter ça, mais je pense qu'on repartira sur les crocs du chaos assez rapidement, hein. Et pendant qu'on est dans les armes, je vais m'équiper des nouvelles armes qu'on avait récupérées, hache éthérée. Voilà, ça c'est la dernière hache qu'on a... Attendez... Ouais, c'est ça il me semble. La dernière hache qu'on a récupérée, et on a récupéré aussi les crocs d'Akidna. Ouais, c'est les crocs d'Akidna en premier. Que le sang de vos ennemis coule à flot. Allez, c'est parti. Là, il y a Ostegoth. Je suis bien tenté de m'acheter quelques potions. Regarde, je sais, je fais... Tu veux. Je vous
pouvez attendre éventuellement sur la suite de l'histoire, mais ça me paraît important d'acheter des équipements de temps en temps dans des pochers, c'est quand même super important. Quand même des combats où sans ça bah, tu te fais défoncer quoi, y'a clairement pas. Y'a clairement pas moyen de gagner sans potions par moment. Allez c'est parti. Tout de suite la suite de l'histoire. Cette classe. Allez, forcément, il est pas content. Vous m'avez trahi, et le trône éternel ne pardonne jamais. Je n'ai plus besoin de vous. Je vous demande pardon. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. What the fuck? Tous des traîtres. Mais tu as ma gratitude. Je vais t'envoyer vers un de mes sujets qui sait comment rejoindre le puits des âmes. Mais avant, tu as des démons à affronter. J'en ai déjà suffisamment tué. Pas comme cela. Un grand pouvoir sommeille dans cette amulette. Mais ta honte t'empêche de le libérer. Je n'ai aucun regret. Oh, je vois au-delà de ta chair, là où se livre le véritable combat. Qu'est-ce qui se passe? Alors je me souviens plus du tout, comme d'habitude, hein, de ce qui se passe en ce moment-là. J'ai très peu de souvenirs du jeu. Pour ne l'avoir fait qu'une seule fois. Séparation de l'âme. Ah, bah voilà, je vous en parlais dans les épisodes d'avant. Ça, par contre, je me souvenais bien qu'il y avait une histoire comme ça de dédoublement. Le baron des eaux a examiné l'âme de Death et débloqué un potentiel caché auparavant. Death peut désormais séparer son esprit en deux parties, pouvant être déplacé et contrôlé séparément de sa forme physique, qui se pétrifie et devient quasiment invulnérable. Ouais, c'est pour pallier au fait qu'on n'ait plus du tout le pouvoir de commandement, vu que nos trois compères sont morts. Allez, là, c'était des morts, d'accord. Cavalier, qu'avez-vous appris du baron des eaux? Il est fidèle à sa réputation, mais pas à sa parole. Notre monarque a permis votre passage vers la Cité des Morts. Qui dois-je chercher dans la Cité des Morts? Inquiétez-vous plutôt de celui qui vous cherche. Chancelier, répondez à ma question. C'est plus drôle si je ne vous dis rien. Alors taisez-vous. Je surveillerai mes arrières si j'étais vous. Qu'est-ce qui m'attend dans la Cité des Morts? Cadavre mis à part. Une chose bien plus précieuse que la chair et les os. Des âmes, issues de tous les royaumes de la création. Là-bas, elles sont lavées de leurs péchés pour pouvoir renaître à travers le puits. Beaucoup ne survivent pas à cette purification. Certaines perdent la raison. Quelques-unes parviennent même à s'échapper. D'accord, nous voilà passés de l'autre côté, et c'est vraiment stylé par contre. Je vais juste m'attarder un petit peu sur les décors qui sont vraiment chouettes. Ça donne envie de se mettre quand même à la sculpture 3D sur ZBrush. Hein. Allez, c'est parti, on continue. Ah non, je compte pas faire ça à pied, je pense qu'on va pouvoir quand même utiliser le cheval maintenant, voilà. Quand même bien classe tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une page de livre. Ça y est, on a 10 pages. Alors, la prochaine fois qu'on boit Vulgrim, on ira le voir. Chapitre du livre des morts. Un chapitre du livre des morts est maintenant complet. Vous pouvez vendre cet objet à Vulgrim. Ok. Par contre, je vais regarder la map parce que je suis en train de partir dans tous les sens. D'accord, ok. En fait, donc j'étais au bon endroit tout à l'heure, je crois. C'est parti. Ah oui, faut que je pense aussi à retourner voir Tan, parce qu'on a vaincu 3 des 4 boss, on n'a toujours pas été chercher notre loot, si ça se trouve, c'est même plus la peine d'espérer avoir quelque chose d'intéressant.
c'était peut-être lié encore une fois à notre niveau, enfin, on verra bien. Ne faisons pas de pronostics, donc c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Là c'était la tombe de Judicator. Attends, en fait depuis le début j'étais au bon endroit. Cité des morts. Ah ouais, bah en fait j'étais au bon endroit, je suis con. Non, ne confirmez pas. Allez. Ouais, en fait, j'ai fait carrément demi-tour, mais ça servait à rien. On était déjà au bon endroit. My bad. Alors, utiliser la séparation d'âme. Ça y est, on va aborder enfin ça. Death peut se diviser son âme en deux, lui permettant, j'ai pas eu le temps de lire, une fois la séparation effectuée, maintenez rond pour alterner entre les deux Death. Ça, c'est cool. La voilà. Ouh, trop bien. Ah ouais, et puis la fameuse statue, du coup, qui se pose là. Alors là, voilà. Et si je maintiens rond, je passe à l'autre. Ça c'est vraiment stylé, ça c'est une bonne idée, j'espère que ça donnera lieu à de meilleures énigmes que ce qu'on a eu l'habitude d'avoir jusqu'ici. Par contre du coup... Ah oui, il faut pousser en même temps j'imagine, ou quelque chose comme ça, non, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ah, ici il y a une poignée. Voilà, traîner. J'imagine que si on lâche, ça se barre, du coup il faut absolument... Allez, rond, rond, rond. Ah, je peux pas, ok. Donc si je lâche rond, je suis obligé d'attendre qu'il termine sa course. Donc, voilà, donc là j'ai mis ma statue au bon endroit, il faut faire pareil avec le deuxième. Hop, on les tire à droite, enfin on le fait translater à droite. Voilà. J'imagine que si je me fais, si je me remets en une seule personne, ça me refait popper au niveau de la statue. Comment on fait? Ah, il faudrait que j'attribue ça à des touches en fait. Sinon je dois aller par le menu. Ouais, c'est pas très ergonomique tout ça. Au pire on avisera. La cité des morts. Explorer la cité des morts. D'accord. Cette fois-ci on y est bel et bien. Maintenant qu'on va se rendre compte ou non si les serres de Beitir sont déjà obsolètes ou pas. Ah, ah bah maintenant on peut en récupérer une, non? Voilà. Bon, c'est pas très représentatif sur un scarabée. Ah oui, par contre on a... Voilà les serres d'Akidna. On va voir ce que ça donne. Ouh, c'est sympa le pattern. Ici on a un coffre. Là, on va pouvoir bien s'entraîner et bien essayer tout ça. C'est parti! Ouais, c'est pas ouf, ça les repousse pas du tout. Hein. Quand je fais des coups, ça les secoue pas. C'est pas terrible. Hein. C'est pour ça que j'aime pas trop ces armes, parce que tu tapes dans l'ennemi, mais t'as pas l'impression de lui faire mal parce qu'il réagit à peine, quoi. Par contre, je sais plus jouer. Voilà, c'est bon. L2 pour viser, R1 pour esquiver. On va toucher les copains. Ok, on va arrêter d'utiliser ça, c'est vraiment de la merde. Les serres, c'est vraiment pas du tout... c'est pas fait pour moi. Allez là! Hop là.
Oh, sympa ça. On l'avait pas encore vu ce, ce finish. Ça c'est quoi, une petite carte? Carte du livre des morts encore, enfin une page. On va tout de suite changer d'arme du coup, vous l'aurez compris. Ça ne me plaît pas du tout. On va essayer... donc c'était les crocs d'Aquila, maintenant on va faire la hache éthérée. Qui a nettement plus de gueule et qui à mon avis va plus me plaire. Alors ici c'est fermé. Dust nous dit d'aller là, mais en fait c'est une statue. Qu'est-ce qui... Par où il veut... Ah, j'ai compris. Par contre, j'imagine que tout le donjon va être comme ça, donc on va, au lieu du bouclier, on va mettre L1 et carré sur séparation d'âme. Voilà, ça me permettra de pas galérer à aller dans les menus. Voilà. Et maintenant, il nous en reste un, puisque la statue qui est apparue quand on s'est transformé fait office de poids aussi. D'accord, donc en fait, on a 3 poids en plus. C'est ça qu'il faut, il faut penser à ça. C'est 3 poids en plus et 2 corps qu'on peut bouger. Voilà. Évidemment, ils nous font pas des énigmes de ouf au départ, et heureusement. Crac, ça s'ouvre. Voilà. Et maintenant, si je fais L1 et carré, c'est bon. Ok, je reviens sur ma. Ok, j'ai compris le délire. Et j'imagine que ça va bien se compliquer par la suite. C'est quoi ici? Des phalanges. Une espèce d'ascenseur. J'imagine que l'idée ce sera de monter par ici. Donc ici on a une clé à trouver. Verrouillé. Donc pour le moment c'est certainement pas par là qu'il faut se diriger. Hop, on va aller se diriger vers la prochaine issue. J'imagine qu'il faudra passer une porte maintenant. Pas celle-ci. Ici il y a un coffre. Ah bah là voilà. Ça c'est le coffre où il y a la clé. Voilà, et du coup il faut trouver le moyen d'aller de l'autre côté. Impossible. Ouais, bah là il y a une issue, j'imagine que c'est en plus la seule, on va passer par là. Il se peut que je rate pas mal d'objets, hein, donc... De toute façon, j'ai, comme je précisais au début des let's play, je cherche pas à avoir le 100%, ça m'intéresse pas du tout. Je préfère encore me faire plaisir sur le jeu, que de faire le 100% bêtement. Les trophées c'est pas... je cours pas après quoi. Steam comprend quand même plus de plaisir en faisant le jeu pour ce qu'il est et pas pour... Sauf quand il y a genre les bestiaires dans Monster Hunter, là je suis... Enfin j'aime bien, je suis content quand je le remplis, parce que ça fait pour moi partie intégrante du gameplay. Mais là, les trophées, clairement, on s'en tamponne le coquillard. Du coup, par... non, c'est pas par là. Bon là, c'est la seule issue de toute façon. J'ose espérer que ce sera pas 3 heures d'énigmes pour une minute de plaisir. J'imagine que si je lâche... Voilà. Donc on va tout de suite... Non, on va faire le tour du menu. Mais du coup je suis en train de me dire si... si j'ai plus de courroux, comment je fais pour faire aller le pouvoir de dédoublement? Je sais pas si c'est indispensable. Ou alors ça n'utilise pas du tout de courroux peut-être. Auquel cas, c'est tant mieux. Alors là, il y a 2 dalles. J'imagine qu'il faut que je me rende dessus. Oh, c'est quoi ça? Ah d'accord, quand je m'éloigne de trop, il est pas content. Et ça revient
à zéro, donc on va y penser aussi. Voilà, alors pouf, ça c'est activé. Ensuite, je peux pas me mettre dessus. Oh merde, je suis dé... Ok, alors il y a quelque chose à faire. Attention, première énigme. Vraiment un peu poussé avec le nouveau gameplay. Va-t-il mettre 3 jours? En tout cas, la statue ne bloque pas, avec son poids, ne bloque pas la roue. Donc ça, c'est déjà quelque chose de bon à savoir. Ah là là, d'accord, bizarre la statue qui nous suit. Non, pas là. Oh, putain. On va y arriver. Là, je maintiens rond. Voilà. Peut-être que si je fais ça maintenant... Non. Je peux peut-être pousser ma statue. Donc je vais me mettre là. Je vais pousser ça. Hop. Et maintenant, je suis bloqué. Ok, c'est bon. Je peux pas la pousser. Ok, on peut vraiment pas la pousser. Comment ça a été fait cette affaire là? Promis, on va y arriver dans cet épisode là. Hein. Je m'y engage. Bon, j'y étais presque. Hein. C'est dommage qu'il y a ce fameux mur invisible qui t'empêche de sauter par-dessus. Il y a quelque chose à faire avec ça. Il n'y a pas des bombes ou quelque chose. Ah, mais attends, quand j'ouvre le... Quand j'ouvre ça, peut-être que la grille ici s'ouvre aussi. Pas du tout. Mm-hmm. Moi, mon avis, c'est qu'il faut mettre cette espèce de socle sous la porte pour faire office de cale. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, on va essayer... Non, on va essayer ça, voilà. Ah, je suis con. Ok, c'est bon. Oh là là, mais c'était gros comme le nez au milieu d'un front. Au milieu d'un front. Comme le nez au milieu d'un visage, mais bon, c'est pas grave. Hop. Là, j'ai... Voilà, j'ai ouvert la... Le passage pour la cale. Que je vais tirer de ce pas. Et normalement, sous vos yeux ébahis, ça devrait être bon. Ah, pas du tout. Pas du tout, mais alors, merde quoi. Ah, il faut peut-être simplement pousser ça sur une plateforme. Oh, c'est quoi ça? Ah, là on peut plus. Là on peut plus par contre. Ah, faut peut-être que je me fasse popper dessus. Voilà, et du coup si je fais ça... Ça se trouve c'est ça, hein, je... Si c'est vraiment ça, c'est un peu tiré par les cheveux, mais... Et pourquoi pas? C'est bien au milieu, voilà. Si on lâche tout maintenant, c'est genre je lâche ici. Ok, d'accord, bah merci. Ok, donc c'est un nom franc et massif. Ah, par... ah ben attends, je crois que j'ai compris. Attends, je crois. Hein. Il faut vraiment que je fasse ça. Après, je prends le deuxième bonhomme. Je le pousse. Ah bah oui, mais voilà. Oh putain. Faut
faut penser autrement en fait. C'est... Et du coup, ben, quand je vais me remettre, ouf, ça me met là. Et forcément, je reste de l'autre côté. Ok, d'accord. C'était pourtant évident. Voilà. Hop. C'est dans Guild Wars 2 que j'avais bien aimé aussi, c'est l'illusionniste qui permettait de se téléporter aussi. Concrètement... Oh ! Je suis tombé dans un trou sans le vouloir. Ouais, concrètement, dans les jeux où il y a moyen de se téléporter, je prends ce pouvoir-là, enfin si c'est moyen d'avoir un personnage qui se téléporte, je le prends. Comme l'illusionniste dans Guild Wars 2, c'est ce que je voulais dire. Voilà, donc maintenant qu'on a la clé, c'est Finger in the Nose. Allez, pouf pouf, c'est par ici. Ah, par contre, il y a deux clés ou... Non, c'est bon. Oui, non mais c'est bon. Je suis occupé, laisse-moi tranquille. Voilà. Avec les gamins de la rue. Alors maintenant qu'on est là, ok, le pont peut tourner, c'est une évidence. Ici on a un endroit pour s'accrocher. Ah, c'est parti. Mais accroche-toi. Oh mais quelle buse. Des fois ils gobolisent quoi, c'est une horreur. Ok, c'est pas par là, c'est sur le côté. Hop. Allez, je m'engage à finir cette partie du jeu à Cité des Morts dans cet épisode-ci. J'ai pas envie de l'étaler sur plusieurs épisodes inutilement. Qu'est-ce qu'il fait? Caméra! Allô, caméra! Hein? Mais qu'est-ce... Attends, mais c'est un délire quand même. Oh putain. Ce jeu. Ah, parchemin du juge des âmes. Ah ouais, alors si vous avez vu l'épisode précédent, vous savez ce que c'est du coup maintenant. Les fameux codes à lettres, c'est des coordonnées pour faire les... Le mode arène du jeu, quoi, le truc des âmes. Oula. Bon, c'est pas par là. Ou alors j'ai raté quelque chose. Si, c'est mieux par là en fait. Franchement, là, je peux pas bouger la caméra. Ça se passe pas. Ok, je sais pas où je suis, mais je continue. Hein. Ok, j'atterris là. Je crois que c'est normal. Mais encore une fois, on freeze le bug du jeu. Enfin, je sais pas, une fois ce jeu m'échappe. Si je lâche, évidemment, ça repart. Ouais, alors là, il y aura tout un délire avec attention de double toit pour faire les leviers, évidemment. C'est marrant comment réagit la statue. Hop. On va chercher tout de suite ce qui brille, là. J'aime bien ce qui brille. Voilà. Par contre, là, ça... Ça commence à faire des vagues. C'est quoi l'idée? Je change peut-être. Ça change rien du tout. Ah, il y a un truc là. Voilà. Ah, c'était juste pour un coq. On s'en tamponne. On s'en tamponne le coquillard avec une poêle marron.
Encore un corps. On passe un cul-de-sac. Ce qu'on veut, c'est ouvrir le passage pour passer la porte. Ah bah, c'est bon maintenant. Ah non, ça c'est de là où on venait. C'est pas grave, on va y arriver. Le tout, c'est de comprendre. Et surtout, de rester zen. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose à grimper. Si je vais par là, c'est terminé. Là, il y a une moyenne de monter, donc on y va. Hop là. Et qu'est-ce que tu me veux maintenant? Moi, je pense que c'est tout et qu'il faut simplement. Notre chemin. Il y a quelque chose à tenter là. Voilà, on a filouté comme tout à l'heure. J'ai fait du wall jump, hein, tout simplement pour me retrouver comme ça, si vous vous posez la question. Oh. Page du livre des morts. On va tirer ici. Attends. Au lieu d'aller, ça va pas aller. Voilà, là je prends lui. Et ça n'ouvre pas ici. Comment on peut faire? Ça n'ouvre toujours pas cette porte là. Est-ce que déjà, enfin je peux aller sous cette forme? Je peux aller jusque là. Ah là c'est vraiment un cul-de-sac, il y a vraiment rien du tout. Ah, on y arrive. Par contre, hop, j'ai filouté. Je sais pas si c'était une bonne idée. Hein. Là, j'ai ouvert de l'autre côté. Ouais, à mon avis, il va falloir que je me laisse tomber.
on va se laisser tomber, ça va être plus simple. Oh, laissez tomber. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on a ouvert. Qu'est-ce qu'on avait ouvert? Ah oui, je crois que c'est ça ici là. Attendez. C'est ici que ça a été ouvert, hein, je crois. Alors c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai ouvert? C'est ici? Non, ici j'en ai au début. Ok, je fais du surplace, peut-être que je me décale. Quand même, c'est très mal fait. Hein. Si vraiment je dois monter comme ça, là il y a zéro caméra. Ah je... oh, oh putain, non c'est pas vrai. Bonté divine. Et ça s'ouvre. Ah, je suis con. C'est derrière, je crois. C'est derrière la porte. Voilà, et c'est là-bas. Je crois, hein. Je crois que c'est... Voilà, c'est ça. Oh non, mais mon dieu. On va y arriver. Par contre, faut les mettre tous ces... ici, peut-être. Là. C'est différentes épreuves en fait, ou non, celle-là je reviens de ça. On est à la droite. Maintenant faut aller éventuellement à gauche. Ah bah d'accord, bah c'est là qu'il faut mettre la fameuse lanterne. Il n'y a plus qu'à la récupérer, cette fameuse lanterne. Ah, je sais pas. Voilà. Je passe ça là. Oh, j'espère que ça va être assez loin. Enfin, c'est proche. Oui. Super. On va commencer par là. Non, je me suis trompé, c'est pas grave. Voilà, c'est ça que je voulais. Une porte ici. Simplement une page. Voilà. Et maintenant. Voilà. J'ai dit, et maintenant, voilà. Ah, pourquoi? Oh là 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 là, je déteste. Non, non, vous inquiétez pas pour ma santé mentale, ça va bien se passer. Voilà. J'ai pas compris pourquoi il avait pas marché, hein. Des fois, faut pas essayer de comprendre. Allez. Ça se demandait pour qui sont faits les infrastructures de ce jeu, hein, parce que on peut y accéder qu'en faisant de l'escalade.
Hop, on se laisse tomber. Mini-boss. Ah, des liches. C'est pas comme si elle m'avait manqué. Ah, on peut peut-être... Est-ce que ça sert à quelque chose de se dédoubler pour faire ça? Oh, je l'ai fait tomber. Ah bah moi, je tombe avec. Il se passe des choses, hein. Ouais, on peut... Par contre, on se prend vraiment les coups, donc ça sert à rien du tout. Bombe. On peut se la coller où? Ça, ça casse pas. Ok, on va grimper sur ce levier, toujours. Qu'est-ce que j'ai ouvert? Ah, j'ai ouvert ça, je crois. J'ai ouvert ça ici. Ah, il y a un levier là. Ben oui, c'est que maintenant il faut... Faire. Ah, par contre, j'ai pas mes super pouvoirs. Non, je peux pas invoquer des ghouls. Je peux faire ça, par contre. Je peux pas... Ah, si, c'est bon. Ok, j'ai rien dit. Faire attention à pas. Oh là là, mais la caméra! Elle est jolie cette. Enfin, on n'a pas vu grand chose là, mais. On a déjà fait cette. Ce finish move la dernière fois. C'est plutôt intéressant comme. Comme finish, alors c'est juste pour un foutu coffre, d'accord, on s'en tamponne le coquillard, c'est par ici. Ok, super, comme ça je récupère la petite map avec, enfin, qui n'est pas une map mais une pièce. Est-ce que je dois... Oui, voilà, comme ça je refais ça, mais en fait ça sert à rien. Ça sert à rien ça en fait. Attends. Ça sert à rien ça. Pardon, j'ai encore grugé le jeu. Ou alors c'était comme ça qu'il fallait... Je sais plus... De toute façon, au bout d'un moment, je ne sais plus comme veut ce jeu. Ce qui est sûr, c'est que c'était pas comme ça, quoi. Clairement, là, j'ai grugé. Enfin bref, ce qui compte, c'est le résultat.
Alors, allons-y. Alors là, vous avez pas vu, mais ça fait au moins 10 minutes que je cherchais la solution. Je tournais en rond. Enfin bref, j'essaie de trouver la solution à l'énigme. Et j'ai fini par trouver en grugeant, encore une fois. Alors, ne faisons pas de bêtises. Si je descends là, c'est bon. Alors, il y avait deux chemins. J'en ai pris un. Oh, la caméra. Ouch. Alors, je suis désolé, je vais devoir vraiment arrêter cette vidéo ici. Désolé de l'arrêter en plein, on va dire en plein game, mais... ça m'évitera de faire des uploads de 3 ans. Donc, merci de m'avoir suivi jusque là. Je vous propose la suite et fin de ce donjon dans l'épisode 20. Bon courage si vous allez travailler, bonne nuit si vous dormez, et à la prochaine.